Papa, il est grand. C'est pour toi? Ouais, ça. Non, c'est bon. Attends, c'est ta tête, t'es toujours. Oui. Pourquoi? Mais papa, il est un petit peu plus grand que toi, donc je pense. Mais après, je sais, même ça, c'est mieux qu'il se mette ça, parce que ouais, bon. Parce qu'on sera là en vrai. Pour moi, là-bas,
pour sauver les hommes de l'enfer. Oui, c'est ça. Ne me demandez pas comment.
Qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux et qu'il est le seul qu'on adore. Amen. Personne ne l'aurait fait pour nous. Amen. C'est un peu... Merveilleux glorie.
paroles, en les rendant tiennes. Mon cœur a soif de toi. Et on veut se réjouir avec ce chant qui dit élevé, tu as vaincu la mort, ressuscité, je sais mon Dieu que tu es capable. Amen. Les bonnes notes. Ré. Yeah.
Hello les enfants, j'espère que vous allez tous bien et que ce temps de confinement n'est pas trop difficile à supporter. Mais la Bible dit, obéissez à vos conducteurs, surtout qu'ils disent que c'est pour notre bien. Soyons donc des enfants sages et restons chez nous. Essayons d'être aussi des enfants intelligents, en profitant de ces moments pour devenir meilleurs dans les matières où on était nuls, plus forts là où on avait des faiblesses, ranger à fond notre chambre, faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Enfin, et le plus important, tâchons de nous approcher au plus de Dieu. Comment ? Lire la Bible, chanter des chants de louange haut et fort. Si les voisins entendent, c'est encore mieux. Peut-être qu'ils seront touchés par les paroles. Nous approcher plus de Dieu en prenant ce temps pour prier. Car en effet, nous avons besoin de prier, le monde a besoin de prier. Car face à cette maladie, nous ne sommes pas tous égaux. Et oui, si nous nous confions en Dieu, nous croyons qu'il agira. Psaume 37, verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Avec nos prières, il agira pour nous, pour nos proches et pour le monde entier. Oui, je le crois. En tous les cas, les enfants, il est bon de se rappeler que, peu importe où on se trouve, la famille de Dieu reste la famille de Dieu. Alors, restons connectés et participons aux différentes réunions live qui sont réalisées dans ce but. Aussi, pensez les uns aux autres. Les enseignantes de l'EDD ont commencé à vous appeler, mais vous aussi, vous pouvez vous appeler entre vous. Allez, tout ça est bientôt terminé. On se revoit bientôt. Restez bénis. Gloire au Seigneur, Église. Toute l'Église, ensemble, l'Église universelle, l'Église de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Toute l'Église, ensemble, on veut dire gloire à Dieu. Amen, Église. Ce matin, je viens devant vous pour vous présenter les requêtes, les prières, et je me réjouis d'avance de pouvoir reprendre de l'activité et de pouvoir présenter les requêtes à la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. On veut ce matin, j'aimerais, avant de présenter les requêtes, lire avec vous dans le livre de Ésaïe 53, au verset 5, il dit ceci, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et j'aimerais, avec vous ce matin, surligner ce passage qui dit, « Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et ce matin, si vous êtes malade, si vous sentez oppressé, si vous sentez affaibli, la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc proclamons ensemble, par la foi, croyons par la foi d'avance que nous sommes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce matin ensemble, on veut présenter les requêtes et on veut aussi donner la gloire à Dieu ce matin parce qu'il a permis que nos familles puissent obtenir la délivrance, notamment le papa du frère Richard qui va mieux. Gloire à Dieu pour cela, Église. On veut continuer aussi ce matin à dire merci au Seigneur et lui rendre toute la gloire parce que notre pasteur Wilfried Montauban se porte mieux et on veut reconnaître cela. Merci Seigneur parce que tu agis encore. On veut aussi continuer à dire merci à Dieu parce que les parents du frère Vincent, l'ami du frère Jérémy Montauban se portent mieux. Gloire à Dieu. On veut aussi continuer à prier ce matin pour la famille de notre sœur Fausta, sœur Faustalina, ainsi que c'est son mari, le frère Georges. On veut prier pour ses bien-aimés. Continuons aussi à prier pour la sœur Kathleen qui a été testée positive. On veut que le Seigneur guérisse notre sœur. Amen, Église. Prions aussi ce matin aussi pour le frère Edgar qui réclame la prière. N'oublions pas nos bien-aimés dans la prière. Le frère Edgar, c'est que son épouse, la sœur Marilyn, que là où ils sont, qu'ils puissent entendre, que nos prières montent vers lui et que la grâce de Dieu descende. Prions aussi ce matin pour la famille Azor. Vous savez, cette famille qui est dans le deuil. On veut les réconforter avec nos prières et que le Seigneur change la tristesse en joie. N'oublions pas aussi tous les bien-aimés de notre église, à l'église de Bébel. On veut prier pour eux, toutes les mamies, toutes les personnes qui sont âgées. On veut penser aussi à toutes les familles qui sont seules dans ce monde. Prions aussi pour le corps médical qui agit, qui travaille d'arrache-pied, que le Seigneur leur donne la clairvoyance, que le Seigneur leur donne le discernement de la maladie, que le Seigneur ouvre leur intelligence, qu'il leur ouvre leur connaissance.
Prions aussi ce matin aussi pour la France entière. Prions pour nos villes, là où nous sommes, dans les villes où nous habitons. Moi, j'habite au Plessis-Belleville. On est préparé des Plessis-Belleville, les villes avoisinantes, le département de la Picardie. Prions pour Villiers-le-Bel, Sarcelles, Arnouville, etc. Pour toutes ces villes, pardon. Prions aussi ce matin que Dieu étende ses limites, étende sa grâce sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier, l'Asie, les États-Unis, la Russie, etc. On veut prier pour ces continents-là. N'oublions pas aussi, bien sûr, l'Afrique, notre pays Haïti. On veut prier pour ces, ces pays-là. Prions pour que ceux qui sont malades, qu'ils puissent être encouragés, relevés en Christ. Et je crois ce matin, j'ai la foi de croire que les choses vont s'arranger. Je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va dire, comment il va le faire. Mais de la manière qu'il le fera, il va agir certainement. Et ce matin, là où vous êtes, dans votre canapé certainement, devant la télévision, dans votre chambre, allongé en train de nous regarder, de suivre cette émission en live, j'aimerais qu'on puisse courber la tête ensemble et prions avec foi. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors ce matin, on veut courber la tête et prier ensemble, demander la grâce du Seigneur. Là où vous êtes, courbez la tête, fermez les yeux et levez les mains avec moi. Sauveur adorable, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Seigneur éternel, toi qui ne changes pas, Sauveur adorable, tu es merveilleux dans toutes tes voies. Même quand je ne te vois pas, même quand je ne te sens pas, Seigneur Jésus-Christ, tu agis encore, Seigneur Jésus-Christ. Tu agis pour ton Église, tu agis pour ton peuple, tu agis pour tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, je lève mes mains vers toi, je lève ma voix vers toi. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ, que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, nos fardeaux, nos faiblesses, nos inquiétudes. Seigneur, nous remettons à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ, nos besoins, Jésus-Christ, nos requêtes, nos familles, nos proches, nos bien-aimés, Jésus-Christ. Nous remettons nos villes, nos départements, Sauveur adorable. Nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, toutes nos inquiétudes, Seigneur Jésus-Christ, tout, Seigneur, le monde entier qui a besoin de toi, qui t'implore, Sauveur adorable. Ce matin, je crois qu'il y a des hommes et des femmes, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que quelque part dans le monde, il y a des hommes avec un cœur sincère, avec un cœur réel, qui t'invoquent en esprit, Seigneur, et en vérité. Je remets, Seigneur Christ, tous nos bien-aimés qui sont partout le monde, dans de l'église de Villiers-le-Bel, ici et ailleurs. Je pense, Seigneur Christ, à la sœur Solina. Je pense, Seigneur Christ, à notre pasteur. Je pense, Sauveur adorable, à tous ces bien-aimés, la sœur Valentine, la sœur Inès, Seigneur Christ, le frère Marquedi, la sœur Aurore, Seigneur Christ, tous ces bien-aimés, toutes ces personnes que je n'ai pas, que je ne peux pas citer ce matin, maintenant. Seigneur Christ, je te demande d'aller étendre ta main sur eux, Sauveur adorable. Étends, Seigneur Christ, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, ton amour. Je représente, Seigneur Christ, le pasteur Wilfried, le frère Jean-Claude, le frère Achaz, le frère Coulange, le frère Tina, le frère Castor, le frère Bernadette, Sauveur adorable. Leur famille, je te présente, Seigneur Christ, je nous présente devant toi l'église de Lulbel, l'église de Melun, l'église d'Arras, l'église universelle, l'église internationale, Sauveur adorable. Étends, Père, étends, Jésus-Christ, nos limites. Ta Bible déclare que c'est par tes meurtres que nous sommes guéris. Et j'ai la foi de croire, j'ai la foi d'entendre, j'ai la foi de recevoir. J'ai la foi, Sauveur adorable, ce matin, que tu peux toucher, que tu peux encore guérir, que tu agis encore. Même quand je ne te vois pas, tu agis encore. Seigneur Christ, merci pour ces bien-aimés pour lesquels nous avons cité leur nom, Sauveur adorable. Agis encore. Donne, Seigneur Jésus-Christ, la clairvoyance, Seigneur Christ, à ceux qui travaillent dans le corps médical. Ouvre les yeux, Seigneur Christ, de dirigeants politiques, Sauveur adorable, des maires, des députés, des ministres, le gouvernement, Sauveur adorable, les présidents de la République, ici et là, dans tel et tel pays, Sauveur adorable. Agis encore, Seigneur Christ. Et je veux croire, Seigneur Christ, que tu es toujours au contrôle. Tu es au contrôle. Tu seras toujours au contrôle. Tu es, Seigneur Christ, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, Sauveur adorable. Tu gardes ton peuple. Tu gardes Israël. Merci d'avance, Seigneur. Tu entends nos prières et tu réponds favorablement. Le psalmiste dit, Seigneur Christ, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est grand. Sa miséricorde durera toujours. À Dieu seul soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse, Église. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay.
Ce sont les aléas du direct. On essaie une première pour nous aussi. On essaie de s'ajuster au mieux. On fait du mieux qu'on peut. On est vraiment désolé. J'espère que vous arriverez à vous remettre dans une atmosphère d'adoration et de louange. Parce que là, on va entonner tous ensemble cette chanson qui dit « Avec Jésus dans mon cœur, tout est possible ». Jésus, 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 Jésus,
Jésus, une pleine de confiance.
t'a pas vaincu, Seigneur Dieu. La mort ne t'a pas vaincu, tu es ressuscité et tu vis en nous, Seigneur Dieu. Tu vis en nous. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour la croix. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur, pour nous, quotidiennement dans nos vies. Gloire à toi, tu es digne. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Tu es merveilleux. À nous. Alléluia, nous allons chanter un chant à la gloire de Dieu. Jésus, elle est magnifique, merveilleuse.
ne m'abandonne pas sa vie. Grâce infinie. Sauvés, nous a trouvés. Alléluia. Je vous apporte ce matin les salutations de paix, de vie, de force et de santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Et je vous présente ce matin les salutations du pasteur Wilfried Montauban qui devait normalement vous prêcher ce matin. Malheureusement, on a eu un problème technique. Et je voudrais vous dire qu'il vous a envoyé toutes ses salutations. Et certainement, la semaine prochaine, il pourra prendre la parole et communiquer avec vous. Donc, nous remercions le Seigneur parce que son état de santé s'améliore de jour en jour. Et nous glorifions le Seigneur pour toutes ces choses. Vous aurez l'occasion de l'écouter la semaine prochaine sans faute. Peut-être mardi, il pourra vous faire une petite salutation. Vendredi, il pourra vous encourager. Et dimanche, il pourra vous apporter la parole. Et nous remercions le Seigneur pour toutes ces choses. Amen. Et ce matin, ce que je voudrais faire avec vous, c'est qu'on écoute la parole du Seigneur. Mais vous allez aussi vous préparer pour pouvoir tout à l'heure faire le symbole, un symbole fort, de partager avec nous le repas du Seigneur parce qu'il a fait le sacrifice à la croix pour nous. Et parce que son sang a coulé pour nous, on voudrait, avant de terminer notre culte ce matin, faire ce qu'il nous a demandé de faire toutes les fois qu'on le fasse pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Ce matin, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 31, chapitre 8, du verset 31 au verset 34. La Bible nous dit dans ce verset, Romains 8, 31 du verset, Romains 8, du verset 31 au verset 34, la Bible nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous délivrera-t-il pas aussi de toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On veut prier la parole du Seigneur. On veut prier ensemble pour demander au Seigneur de nous assister et de mettre sa parole dans ma bouche alors que je vais vous parler. Mais je sais que quelqu'un a besoin de la présence du Seigneur, d'une parole de réconfort, d'un enseignement ce matin. Père, toi qui es merveilleux, toi qui es glorieux, je me mets devant ta face, Seigneur, pour apporter ta parole à ton peuple. Je n'ai rien de bon à apporter, mais je sais que quelqu'un, Seigneur, a besoin de ta parole, a besoin d'un enseignement ce matin. Tu es mort à la croix, tu as été enseveli et tu es ressuscité, Seigneur. C'est pour un but. Ce n'est pas en vain que tu as fait ces choses, Seigneur Dieu. C'est pour ça, Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, la mission de la réconciliation, Seigneur Dieu. Merci de poser ta main puissante sur ma vie, sur moi, Seigneur. Véhicule ta parole à travers moi pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci à vous de nous écouter. Et
Certainement, vous êtes en famille. Certainement, vous avez faim et soif de la parole du Seigneur. Ce que je vais vous demander, c'est que à chaque fois que vous avez rendez-vous avec nous en live, ne prenez pas ça comme une émission de télévision ou quelque chose que vous allez faire comme d'habitude. C'est un rendez-vous que vous avez avec Dieu, que ce soit pour l'étude biblique, pour la prière ou pour le culte. Préparez-vous comme si vous allez venir à l'église et mettez-vous disponible pour écouter ou ne pas avoir à cœur à faire d'autres choses, mais rester connecté au Seigneur. Alors, nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous avons lu la parole du Seigneur et ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est on veut parler de la puissance de la croix, de l'ensevelissement et de la résurrection. Nous avons vu de vendredi à samedi, nous avons vu l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Nous avons vu les 7 paroles de Jésus et nos jeunes vous ont tout détaillé. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, on veut voir en détail la mort, la puissance de la mort, la puissance de l'ensevelissement et la puissance de la résurrection. Nous savons que Jésus a été arrêté, frappé, conduit jusqu'à la croix. La croix, c'est un élément important pour le salut. C'est à la croix qu'il s'est chargé de toutes nos fautes. C'est à la croix qu'il a pris nos châtiments. Nos châtiments sont tombés sur lui. C'est là que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Pour celui qui vient à Dieu, la croix, c'est la crucifixion du vieil homme. À la croix, le vieil homme a été cloué. La croix est puissante pour détruire nos maladies et les malédictions. À la croix, la malédiction de la loi est enlevée. À la croix, la conciliation avec Dieu est effective. C'est à la croix que nous avons la réconciliation avec Dieu. Parce que le pécheur est libre du péché parce que Christ a pris ses péchés. Le pécheur vient à Dieu passer par la croix en se repentant de ses péchés, en acceptant de décharger ses fautes, ses iniquités sous le sacrifice de Jésus. La croix est importante, mais elle n'est pas suffisante. Si Jésus était resté à la croix, l'humanité n'aurait pas eu de sauveur. S'il était resté à la croix, l'œuvre ne serait pas complète. La croix conduit à la mort. C'est pourquoi Jésus est mort et on l'a enseveli. Celui qui est mort est débarrassé du naturel, débarrassé du matériel, débarrassé de la chair. Celui qui est mort a coupé le pont avec le vivant. Il est enterré. C'est cet acte qui est fait devant témoins lorsqu'on vient dans le baptême. On est mort devant témoins, on a coupé le pont avec le monde. On a coupé le pont avec la vie passée, avec le vieil homme. Cet homme qui est mort n'a plus de relation avec qui que ce soit dans son environnement. Et ça, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ, mais qui est reporté l'ensevelissement par le baptême. Quand on sort du baptême, la Bible dit on sort ressuscité avec Christ en nouveauté de vie. Un homme nouveau, une femme nouvelle, qui sort de cette eau par la foi. Quand tu sors du baptême, tu es ressuscité avec Christ. Il est vrai que la croix est puissante. L'ensevelissement est puissant. Mais l'ultime accomplissement, c'est la résurrection. La croix nous réconcilie avec Dieu. Le baptême nous met en relation avec celui qui a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Mais la crucifixion nous donne la vie. Jésus a été enseveli pour affronter dans le monde spirituel les forces du malin. Ensuite, il est sorti vivant de la mort.
C'est pourquoi l'apôtre Paul crie dans Philippiens 3, versets 10 à 11. Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. C'est important que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien comprenne quelle est la puissance de la résurrection. Parce qu'il a, pour ce qu'il a fait pour nous dans sa résurrection, est-ce que la résurrection produit en nous? Parce que Christ n'est pas ressuscité pour lui-même. Il n'avait pas besoin. Mais il l'a fait pour toi et moi. Dans Acte 13, verset 32 à 33, il nous est dit, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Colossiens 1, verset 18, il est dit, Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et là, il y a une vérité que chaque enfant de Dieu doit comprendre. Il a fallu que Jésus affronte la mort pour se débarrasser de son humanité venue de Marie. Mais il fallait qu'il affronte Satan et récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. La mort a tenu l'humanité depuis Adam. Depuis le péché d'Adam, la mort a tenu l'humanité. Et puisque le premier mort est Adam, il fallait que Jésus soit le dernier Adam qui puisse affronter la mort et revenu à la victoire. Sortir victorieux de la mort. Ainsi, il devient le premier qui sort vivant de la mort. La Bible déclare que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est mort, il est ressuscité. Par sa résurrection commence une nouvelle ère. Par sa résurrection commence une nouvelle race appelée fils de Dieu. Ce qui arrive à la tête arrive aussi au corps. Il est crucifié. Notre vieil homme qui est le corps, qui est l'Église, quand on se repent, est crucifié avec lui. Il est mort, il a été enseveli. Nous sommes morts avec lui par le baptême. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême. Il est ressuscité, nous aussi, en sortant du baptême, nous sommes ressuscités avec lui, la Bible nous dit, en nouveauté de vie. Satan avait le pouvoir sur toute l'humanité. Mais désormais, une partie de l'humanité est sortie du lot. Ceux qu'on appelle les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui acceptent Jésus-Christ par sa mort, par sa crucifixion, par sa mort et par sa résurrection. Satan n'a plus de pouvoir sur eux, la loi n'a plus aucun pouvoir sur eux. C'est en cela que nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne parle pas de l'homme nouveau dans la chair, mais de l'homme nouveau dans son esprit, avec un renouvellement de son intelligence, avec un esprit nouveau. Christ, en nous, nous devenons un homme régénéré dans notre esprit. Un tel homme, Satan ne peut pas le combattre, puisque Satan ne connaît pas un tel homme avec un tel état d'esprit. Cet homme est devenu le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. Et la seule responsabilité de cet homme nouveau, c'est de changer ses pensées. Parce que Satan ne peut l'attaquer qu'à travers son corps et ses pensées. Il ne peut plus l'attaquer à travers son esprit. Et la seule responsabilité de cet homme, c'est de changer ses pensées. Croire en Christ en s'appuyant sur sa parole et en obéissant à cette parole. La tête et le corps ne forment qu'un. Ma tête et mon corps forment un tout, un ensemble. La tête et le corps ne peuvent se séparer. Et c'est pourquoi, puisque Christ est la tête, il est mort,
C'est pourquoi nous sommes morts avec lui. Puisqu'il est la tête, il est enseveli. Nous aussi, nous sommes son corps. Nous sommes ensevelis avec lui. Et puisque Christ, la tête, est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Selon Romains 7, versets 5 à 6, il est dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissant dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Au verset 6, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc nous rentrons donc dans une nouvelle alliance, une nouvelle dimension avec Dieu. L'ancien régime a été renversé pour établir un nouveau régime. C'est ce changement que la résurrection de Jésus a apporté dans l'humanité. Il a établi une nouvelle alliance. Quand quelqu'un rencontre Christ et sa résurrection, il n'est plus la même personne. Parce que cette personne, elle aussi, est ressuscitée avec Christ en nouveauté de vie. Voilà pourquoi je dois te dire, frères et sœurs qui m'écoutent ce matin, la résurrection dans ta vie, c'est pour maintenant. Nous n'attendons pas la résurrection des morts pour être ressuscité avec Christ. Ta résurrection, c'est pour maintenant. Tu es changé en nouveauté de vie. Une nouvelle personne, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir les choses, c'est pour maintenant. La résurrection avec Christ, c'est pour maintenant. Quand tu viens à Christ, ta vie doit changer. Il y a donc de grandes bénédictions qu'apporte la résurrection. Par la résurrection, il n'y a plus du tout de puissance de Satan qui peut intervenir dans ma vie. Il n'y a pas, Jésus n'est pas crucifié pour lui-même, mais il est crucifié pour nous. Jésus n'est pas mort pour lui-même, il est mort pour nous. Il n'est pas ressuscité pour lui-même, il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité avec toi et pour toi. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit, d'après ce que la Bible nous dit, l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc notre corps qui est un corps mortel change toute une transformation à cause de l'esprit de Jésus-Christ qui habite en nous. Non pas une transformation charnelle que tout le monde peut voir que ce corps a été changé, visible, mais une transformation spirituelle, une transformation dans ton intelligence, une transformation dans ta façon de penser. Quand l'esprit de Dieu rencontre quelqu'un, il vient et il rend la vie. Il rend la vie à son esprit, qui lui permet de communiquer avec Dieu désormais. Toutes ces cellules sont touchées. Même si on le regarde, on le voit, c'est un homme comme tous les autres, mais c'est un homme changé. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 1 Jean 4, verset 4, nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Laissez-moi vous dire, quand nous sommes en Christ, nous devenons son temple. Et ce temple-là, il y a une grande manifestation qui s'est produite, pas de manière charnelle que les hommes puissent voir, mais dans le monde spirituel, on le sait, on le connaît. Selon 1 Colossiens 1er, verset 27. Celui qui est donc en nous est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. C'est pourquoi je n'ai plus besoin de combattre. L'ennemi est déjà vaincu. Nous n'avons pas besoin de lutter avec lui parce que notre Dieu, notre Seigneur l'a déjà vaincu et nous sommes plus forts que lui. On n'a pas besoin de lutter et de voir Satan à chaque coin de route parce qu'il ne peut plus avoir accès dans notre esprit et dans nos vies. Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous sommes en lui, nous avons la vie et nous sommes dans le droit chemin. Laissez-moi vous dire, le fondement de la vie chrétienne, ce n'est pas jeûner et prier. Ce n'est pas de chercher une guérison quelconque. Ce n'est pas le combat spirituel. Ce n'est même pas l'adoration et la louange qui sont importants. Mais le fondement de la vie chrétienne, c'est de comprendre, c'est d'être conscient. C'est l'accomplissement dans notre vie
de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ceci veut dire, c'est d'accepter, de croire, d'être conscient que nous sommes ressuscités avec Christ. Selon Éphésiens 2, versets 4 à 6, qui dit « Mais Dieu, qui est richement en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, au verset 6, nous voyons qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous devons savoir et être conscients que nous sommes positionnés avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire au-dessus de Satan. Nous prenons part à sa nature divine. Comme sa nature divine est puissante, il nous demande de nous contribuer à la piété, d'après dans le verset 4. Nous nous demandons de nous contribuer à sa piété. Grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous a justifiés et nous devenons conformes à sa nature divine. Nous avons la capacité donc de nous tenir. Il dit c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui serons en lui, qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été enseveli pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, par son sang, mais il nous a rendus aussi vivants par sa résurrection. Par sa résurrection, nous devenons conformes à lui. Au verset 2, il n'y a donc maintenant, dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes triomphés. Nous triomphons de la mort. Nous triomphons des puissances du malin. Nous triomphons de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu, la Bible nous dit, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde. Si Jésus-Christ, nous faisons partie désormais d'une nouvelle créature, d'une nouvelle race, et l'ennemi ne peut pas venir nous vaincre. La chose que chaque chrétien doit comprendre, c'est que nous qui étions morts par nos offenses, nous qui n'avions plus la possibilité de venir dans la présence de Dieu, nous qui étions rejetés de la présence de Dieu, mais par Jésus-Christ, qui est devenu le premier Adam, qui est venu avec la chair, venant de Marie, mais il s'est libéré en ressuscitant des morts de cette nature charnelle pour devenir, si on peut dire, pour devenir quelqu'un qui est divinement glorifié et qui est celui qui a eu la totale victoire sur la mort. Et puisqu'il a pris les clés de la mort, lui c'est Dieu des morts, il est devenu victorieux de la mort, donc il est devenu le premier Adam. A devenu vivant de la mort, ressuscité des morts, et il augure une nouvelle race, la race des élus de Dieu, la race de ceux qui sont sauvés. Et c'est pourquoi chaque chrétien doit comprendre, il est positionné en Jésus-Christ, pas selon sa nature actuelle, mais selon qu'il a été ressuscité avec Christ. Selon que l'Église n'est pas n'importe qui, n'importe quoi, l'Église c'est le corps de Christ. Et la position que Christ occupe, son corps l'occupe aussi. Voilà pourquoi dans ma prière ce matin, je voudrais que chacun soit conscient de ce que la résurrection de Christ a fait pour lui. Tu dois être conscient là où tu es, de ce que la résurrection de Christ
a fait pour toi. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour toi. Pour que tu sois pardonné, pour que tu sois justifié, sanctifié, élevé, positionné dans les lieux célestes avec lui. Là où tu es, je vais t'inviter à prier. Une prière importante. Pas n'importe quelle prière, mais une prière pour demander à Dieu que tu sois conscient. Que tu sois conscient de ta position avec lui. Je voudrais que tu fermes les yeux. Si tu veux répéter après moi, tu répètes. C'est important qu'on puisse faire cette prière. Nous fermons les yeux tous. Faites fermer les yeux de vos enfants, que vos enfants puissent fermer les yeux. Et qu'on puisse tous faire cette prière, une prière consciente, une prière que l'ennemi va entendre, une prière qui va transcender notre volonté, nos pensées. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes le corps de Christ et l'ennemi doit savoir cela. Père, je suis uni à Christ par sa résurrection. L'esprit de vie est en moi. L'esprit qui agit est en moi. L'esprit de vie détruit en moi toutes sortes de maladies. Il détruit en moi tout virus, tout ce qui m'empêche de te servir. Et c'est pourquoi, Seigneur, dans ce temps, Seigneur, de maladies et de virus, de contamination, je proclame, puisque je suis ton corps et le corps de Christ ne peut pas être détruit, je proclame que tu détruis en moi tout virus. Et que cet esprit qui est en moi régénère, révigore mon système immunitaire. L'esprit de vie qui est en moi régénère mes cellules. L'esprit de vie qui est en moi détruit tout ce qui n'est pas de toi. L'esprit de vie qui est en moi me rend plus fort. Ce qui est en moi, je le sais, et tu l'as dit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que mes épreuves. Celui qui est en moi est plus fort que mes circonstances. Plus fort que tout ce qui m'entoure, plus fort que tout ce qu'il y a dans le monde. Je vis ce moment, mais je sais que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Satan est sous mes pieds. Il ne peut plus avoir de pouvoir, de victoire sur moi, parce que tu as déclaré dans ta parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux, lui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour moi, aucune condamnation pour ma famille, aucune condamnation pour mes enfants, aucune condamnation pour mes parents. J'ai la puissance en ton nom. J'ai la foi qui renverse les murailles, la foi qui renverse la pauvreté, la foi qui renverse la malédiction. Je prends possession et je suis positionné. Je renverse la puissance de l'ennemi, la puissance de cette maladie, la puissance du COVID-19, je la renverse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la maison de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Tout mon système immunitaire est revigoré pour lutter contre tout virus, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Je refuse de reconnaître Satan comme étant celui qui peut dominer sur moi. Il n'y a que Christ qui peut dominer sur ma vie. Je marche de victoire en victoire. Je vis dans la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame sur ma vie que toutes maladies sont détruites. Toutes maladies qui attaquent mon corps sont détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ton système immunitaire là où tu es est révigoré. Je proclame que tout virus qui pourrait t'attaquer sont détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ton environnement est protégé. Tu es protégé, ta famille est protégée contre toute maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, prie avec moi. Laisse le Seigneur travailler dans ton cœur. Que le Seigneur te rende conscient. Oui, Seigneur, rends-nous conscients de notre position avec toi. Rends-nous conscients de la puissance que nous avons avec toi. Parce que tu nous as pas ressuscité, Seigneur, avec toi. Nous marchons comme le monde marche. Mais tu nous as ressuscité, Seigneur, pour marcher en nouveau vie de vie. Même si, Seigneur, nous avons des amis dans le monde, nous avons des gens du monde que nous comprenons, nous ne sommes pas, Seigneur, du monde. Nous sommes, Seigneur, dans le monde, mais pas du monde. Nous avons, Seigneur Jésus, intégré une nouvelle race, les élus de Dieu, la race des élus de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous, le Seigneur, là où tu es. Oui, Seigneur, je prie ton nom, je me prie ton nom pour tes bienfaits. Ta grâce infinie, Seigneur, ta grâce infinie nous a trouvés. Ta grâce que nous a racheté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie le Seigneur là où tu es. Sois conscient de ta position. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de qui est ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Je voudrais demander à nos bien-aimés. Amen. De prier, de chanter un chant. Alléluia, de chanter un chant pour nous, pour qu'on puisse nous préparer. Nous préparer à la Sainte Cène. Parce que je vais inviter tous ceux qui sont dans votre maison pour ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Nous ne voulons pas rester indifférents. On ne peut pas savoir quel jour ça a été fait. On ne peut pas savoir quel jour ça a été fait. C'est pas le moment. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné. Et j'ai la victoire en toi. Par le baptême avec lui,
Et si aujourd'hui tu vis correctement devant le Seigneur, dans la sainteté, je vais t'inviter à partager ce repas avec moi. Ce repas qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce repas n'est pas pour toute l'humanité. C'est pour ceux qui sont sortis de l'humanité, qui portent le nom de Jésus-Christ. Il dit, Dieu a jeté les regards parmi les nations et il a choisi un peuple qui porte son nom. Nous sommes aujourd'hui dans la citoyenneté céleste, dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Et ce sont ces gens-là que j'invite à prendre ce repas. Nous sommes dans un territoire qui n'est pas le nôtre. Un jour va venir où Dieu va établir son royaume et il va appeler tous ses enfants. Et ce sont ces gens-là que j'invite à prendre, à manger le corps de Christ et à boire avec nous pour nous rappeler sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais vous inviter à prendre un petit temps d'aller chercher, si vous n'avez pas mis de votre côté, à aller prendre un bout de pain, à aller prendre, si vous aviez acheté le pain sans levain, c'est très bien, c'est même mieux, et du jus de raisin, on va le faire avec du jus de raisin, pour que chacun de nous puisse participer dans le partage du corps de boire la coupe jusqu'à ce que le Seigneur vienne. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens chapitre 11 au verset 23, il est dit car, je vous laisse le temps de vous préparer là où vous êtes, faites-le pour la gloire de Dieu, faites-le parce que tu participes à sa mort, tu participes à son ensevelissement, tu participes à sa résurrection. Et je veux me rappeler de ce qu'il a fait. Je veux me rappeler qu'il est mort pour moi. Et je suis mort avec lui. Je veux me rappeler qu'il a été enseveli pour aller prendre les clés de la mort et du séjour des morts, pour combattre dans ces lieux obscurs la puissance des ténèbres. Je veux me rappeler qu'il est sorti vivant de la mort. Et moi aussi, par le baptême, je suis mort avec lui. Et je suis sorti vivant en nouveauté de vie. Je veux me rappeler cela. Je veux me rappeler que je suis conforme, je dois être conforme à sa parole, conforme à sa nature divine. Vivre selon sa parole. Il est dit donc au verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et dit, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, voici ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons manger ce pain en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour les coups qu'il a reçus, la souffrance qu'il a endurée, son corps qui a été meurtri, son sang qui a coulé, on veut manger ce pain en mémoire de ce qu'il a fait. Je vous invite à manger ce pain. Au verset 25, il est dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Nous voulons boire en mémoire de son sang qui a coulé. Cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Je vous invite à boire pour nous rappeler et pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons dans le nom de Jésus-Christ.
Je vais vous inviter à garder cet esprit d'adoration, à garder cet esprit de louange, parce qu'on veut continuer à adorer le Seigneur, à le louer pour tout ce qu'il a fait, pour sa grâce, pour sa faveur. On veut le bénir. On veut le bénir. On veut le bénir. Et je voudrais ce matin apporter la paix du Seigneur, apporter ce matin la faveur du Seigneur, apporter la guérison dans chaque foyer. Et surtout, que chacun puisse garder dans son esprit qu'il est un enfant de Dieu et Dieu compte sur lui. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis.
Seigneur.